y a encore. Mais non. Pourquoi est-ce que genre comme ça les enfants? Je sais pas. Coucou les chocolats, ici Lupina et Lancia. Salut. Pour la suite d'Uba Challenge. C'est l'épisode 19 je crois. Et on vous a réservé une petite surprise que certains ont déjà vue en live sans savoir ce que c'était. Ils ont cru que c'était une maison pour nous, je sais pas quoi, alors que absolument oui, pas. Oui, comme quoi, on serait en couple, non oui. Mais quelle idée. Je sais pas où ils ont été pêchés ça. Il y a une personne qui a, fait, qui a deviné, mais on lui a dit non, c'est pas du tout non, ça. Non, c'est pas ça. Non, non bah non. Bref, on se retrouve tout de suite en jeu. C'est moi Jean-Claude, c'est moi Jean-Claude, j'observe les environs. Ah, ah bah il fait déjà des conneries. Ah bah d'accord, ah bah très bien. On lui donne des paniers, il dort là. Remboursé. Super le yinche quoi. Bon bref, on vous montre notre nouvelle maison. Ah c'est autre chose hein. Ah bah ça a rien à voir avec la maison initiale. C'est clair. Alors, elle est pas finie. Du coup là, il y aura des fleurs. En plus, vous voyez, il nous reste un peu d'argent quand même, 38 000, c'est pas mal. Et il nous reste un peu de déco à mettre ici et là, mais globalement, c'est bon quoi. Ils ont le principal est mis, ouais. C'est ça, ils ont le principal. On va vous présenter la chambre des parents. La suite parentale. On l'a faite toutes les deux, hein. On s'est divisé les pièces, même si c'est pas fini. La chambre de Maroua. Maroua. Elle bug sur ce prénom, hein. Oui, mais ça me fait trop penser au Maroua, je suis désolée, mais... Une salle de bain. Là, les chiottes, c'est important. La deuxième salle de bain, parce que bon, ils sont quand même 7. Faut ouais. Bien qu'ils se torchent une le salle cul. De bain à 7, c'est pas possible. Mm. Là, il y, y a rien, là, mais on va combler ouais, plus tard. Et donc, l'entrée, n'est-ce pas, avec le salon et la salle à manger. Dans les tons de bleu et de blanc proposés par Elancia. Oui. Mais toujours les mêmes couleurs en fait. Un coup bleu, un coup rouge. C'est ça. Et la cuisine qui est magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, vous avez qu'à nous dire quelle pièce vous préférez. Mais je fais n'importe quoi avec ma souris. Scrogneugneux. Donc, la chambre de Steven. Faut que j'arrête de dire donc, ça m'énerve. La chambre de Steven qui pionce, hein, normal. La chambre de Gasseton. Le futur artiste. C'est ça. Donc, il y a déjà toutes les toiles prêtes, tu sais. Alors que c'est encore un gosse. La chambre de Jean-Max. Elle est trop belle, j'adore, moi. Non, mais attends, Jean-Max, quoi. Pff, il sert à rien, ce gosse. Et la chambre d'Angélique, qui a fait un cauchemar. Ah oui, attendez, il faut qu'on mette ces putains de loupiottes de merde. Mais je déteste ces lampes, elles sont moches. On est obligé de les mettre. Donc voilà, on va pouvoir jouer. Et donc, dans l'épisode précédent, on avait fait venir Nancy chez nous, et ensuite on l'a tuée et on a oui. Eu son fric. Voilà. Mais voici l'urne de Nancy. Ah oui. Il faut qu'on la grave. Ah oui, vas-y. Alors, ça va être très poétique. Oui. Goodbye, sale pute. Ah bah, j'avais prévenu. Ah, de base, c'est moi qui l'aime pas, mais en fait, tu l'aimes pas non plus maintenant. Non, t'as des teintes sur moi. Comme je n'ai aucune personnalité, j'éponge ce que pensent les autres. ils sont tous en deuil, hein, c'est génial. Genre, ils la connaissaient même pas, la meuf. Ils chialent pour Nancy. Encore, Anaya, je peux comprendre parce que c'était quand même sa pote. Ouais. Plus, plus. Pas de plus. Jean Mou. Ah bah tiens, juste. J'ai. J'ai un travail pour toi, Jean-Mou. Mais non, ils sont... Ah, avec... Mais... Elle est froide, non? Ça va le faire. Ouais, elle est froide, mais... On va écoutez, t'entrer. Moi, je veux draguer Jean-Mou avec Maroua. Mais avant de faire quoi que ce soit, déjà, elle va grossir. Et puis le Steven aussi, parce que ça va pas du tout. Ils sont trop maigres. Ah, ça me stresse. On les a relookés, d'ailleurs, vite fait. Ah oui, il faudra qu'on montre. Oui, bon, on montrera tout à l'heure. Bah, de toute façon, je pense qu'il le voit, hein, Steven, voilà. Ça, il a changé, hein. La tête qu'il fait. Ah oui, non mais ils sont tristes là, c'est chiant. On s'en fout de Nancy là. Oh putain. Gaston. Le gros. Je n'ai rien contre les personnes qui mangent bien à la cantine. Okay. Non mais elle se souvient jamais de son nom, elle dit le gros.
En fait, ils sont tous maigres, il n'y a que lui. Bon, elle, non, elle aussi. Mais ouais, non, va. Ils sont gros tous les deux. Mais c'est pas grave, ça fera la balance avec Marwa et Steven. Hein, parce que putain. Parce que, ouais, non, c'est trop là. Oui, 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 ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ma chérie. Alors, lui a mis la tenue de comtesse. Et d'ailleurs, faut qu'elle fasse quoi? Parce qu'il va falloir participer à une formation vampirique. Ok. Ah, attends, faut que j'enlève les 750 avant de... Ah oui, tous les dimanches, on doit enlever ça. Et lui, il doit faire quoi? Se présenter à 10 Sims. Putain, il va falloir c'est chiant. Lui, ça va être chiant. J'aime pas cette aspiration. Moi non plus, je l'aime pas. Faire deux dessins en étant inspiré. Bah, pour le moment, il est triste, donc ça part bien. C'est et elle chiant. Lire pendant 2 heures, gagner 3 parties d'échecs. Oh, faut qu'on lui rajoute un échiquier. Ah d'ailleurs, t'as mis le tapis de course de oh, l'autre. Merde, non, j'ai pas... Bah bravo! J'ai oublié! Des bêtises! On va mettre le plus cher, hein. Oh bah oui, on est riche, hein. On est riche! On est riche! Merci Nancy! Goodbye, salut! L'amour est présent. Et le truc de yoga, il est où? Voilà, faites devant la fenêtre, ça va être parfait. Ah à poil. À poil sur ta vidéo. Bonsoir. Bonsoir. En plus, tu vois, ce serait Anaya ou Marwa, ça irait, mais ouais, c'est genre Kevin, quoi. Oui, il y a tout, mais du coup, je sais plus avec qui je voulais jouer. Lui, il peut pas, parce qu'il peut pas dessiner. Ah oui, c'est la meuf, là. Donc, voilà, il faut qu'elle lise un livre. Ouais, c'est ça. Bah, lis un truc. Allez, hop. Gagner 3 parties d'échecs, et lui il doit faire quoi? Se présenter à 10 Sims. Oh bon bah... Ah oui, oui, je voulais qu'il bouffe la glace, c'est vrai. Viens là! Ça? Merde, c'est pas elle. Qu'est-ce qu'il a Jean-Claude? Caresser Jean-Claude, oui d'accord, si tu veux. Toi, viens là. Et toi aussi. Allez bouffer. Oh, elle est confiante. Pourquoi elle est confiante? Pompier. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un incendie. Mmh. Oui. Bah, en fait, hier, tu sais, je voulais allumer la cheminée, tout ça, et réclamer les lits, machin, et en fait, abruti, il a allumé la cheminée, puis ça a pris feu. D'accord. Le boulet, quoi. Oh là là. Mais elle a fini de préparer sa tombe. Ouais, cool. Allez bouffer, là. Grossissez. Oh non. C'est lui qui l'a mis. Oui, c'est Gaston. Gaston passe par une phase. Il s'est trouvé un animal totem et ne veut rien porter d'autre que son costume j'avais d'ours. J'avais jamais vu ça. C'est génial. Franchement, super, quoi. Regarde la gueule qu'il a. Mais tu peux pas le changer. Non. Si on fait se changer... Ah bah si. Non, mais je crois qu'il va se remettre en ours. Ah bah non. Bah, je sais pas. Mais oui, il est juste... C'est nul. Ouais, j'avoue. Tu devrais être bloqué. Je suis un ours, phase de l'enfance. Non, c'est trop énorme. J'avais jamais. Bon, on va faire un dessin. Ah, ça y est. Ah. Oui, ça si, va. Si, c'est mieux quand même. Ça va, oui, oui, ça va. On va la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Trop de cubes. Mais oh, autant merde. Casse-couille, hein. Bah, sur le pot. Voilà, s'en occuper, là. D'ailleurs, il en est où de ses compétences, moi, ce gosse? Je m'occupe pas trop de lui non plus. Oh, ça va, hein? Ouais, ça va. Mine de rien, il a quand même quelques trucs. Bon, toi, tu dois te faire des amis. Et bah, tu sais quoi? Tu vas aller sur ton PC et tu vas discuter avec des gens. Attends! Remange une glace. Oh, t'imagines? Bah attends, il a pas pris du tout, là. Peut-être parce qu'il est ado. Bah si, normalement ça marche. Et du coup c'est bon ou pas? Non. Jean-Claude. Ah putain, lire avec un adulte, on a mal lu. Ah merde. Oh, elle fait chier cette gosse. Ah. Oh, avoir gagné machin. Cool. Bon, il est encore triste. Hein. Super. Ils vont faire crac crac. Ça va les occuper. Ça va faire du sport à Jean-Kevin. Ça va remonter le divertissement surtout. Ah, ça y est. Bah voilà! C'était pas compliqué! Du coup, on jette la truc. Allez, va pioncer. Il va pas parler avec des gens plutôt? Bah attends, il est 21h. Ils ont école demain. Il est 21h, hein, elle est tous au lit. Hein. Bah oui, hein! Mais va te coucher, connasse! Oh!
Ah, pas d'excuses là. Et lui, il fait quoi? Ils ont pécho ou pas? Non, pas encore, il est aux toilettes. Bah, faut se manier! Qu'est-ce qu'il fait? Jean-Claude! J'en ai marre de chien! Qu'il est con, mais qu'il est mignon ce chien! Il est con, mais il est mignon! Oula, attends! Le lampadaire est trop bas là! Ah oui, il y a un petit problème! Attends, on va le réduire! Ah, c'est ça, elle pouvait pas aller pécho son mec parce qu'il y avait le lampadaire! Et Marwa va aller quelque part. Voir quelqu'un de très intéressant, n'est-ce pas? Nous voilà chez Jean Mou! C'est qui cette gosse? Bah, c'est la petite qui a grandi. Bah, elle est moche. Oh bah, ça y est! Jean Mou! Oh, t'as l'éponge! Attends, oh là là. On va lui demander. On peut pas lui demander. Ah non, faut qu'on se présente avant. Bonjour! Bonsoir, la cagole! Bon bah, elle y va? Non, elle y va pas. Très bien. Elle a pas envie. Mais viens là, connasse! Bonjour, je viens de piquer ton mari. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est moche. Oh la vache, comment elle est moche. Ouais, bah, zag-zag. Hein. Zag-zag pas trop. Ah voilà, demandez un truc. Ah non, faut demander une formation. Oh, on l'a dominé. On l'a dominé la cagole. Ouh, j'avoue, ah. Regarde. Ah oui, il faut quelqu'un de plus élevé. Ouais. Bah tant pis. Jean Mou! J'avais oublié comment il était moche. Oh là, il est horrible. Coucou Jean Mou. Oh my god. Coucou. Tu m'excites la boîte à biscuits. Compliment de sa maison qui est dégueulasse pour le visite. Et encore, c'est pas sa maison de base. Oh mon dieu quoi. Essayer de flirter. Ouais, c'est vrai. Oh, ça marche pas. Mais quoi, il est il y a pas. Des moins, oh regarde. Bon bah, va te faire foutre. Ouais, bah, on va attendre qu'il soit plus en colère. On va aller voir Vladistros. Oh, mais c'est une blague! Tu vois? Il est quoi? Elle doit être dans un meilleur état émotionnel. Oh fuck, ouais, bon, c'est mort en fait. Elle m'a cassé les couilles. Bah, tu sais quoi, on va flirter avec ouais, ce. Bah, c'est mort. Ah oui, je sais, mais c'est pas grave. Moi aussi. Il est moche, le pauvre. Coucou! Ce fut un fail. On va demander conseil. Tiens, on va faire un combat. Peut-être qu'on va le battre, le vieux. Oh, il nous aime pas. Il nous aime pas de ouf. Là, elle va se faire maîtriser. Oh, bah, je pense. Oh, mais non. C'est une blague. On a maîtrisé les vieux. Oh, la tête. Oh, il est moche en plus. Oh, il est horrible. Oh là là. Je suis pas content. Hey, t'as géré Marwa. Putain, elle est forte en fait. Bah ouais. C'est bizarre. Et boum, dans ta gueule. Allez, respecte-moi. Bon, tu m'entraides maintenant? Et d'ailleurs, on a des points à mettre. Tu veux ah, les mettre oui. Dans quoi? Je sais pas. Bah ça. Ah ouais, ça c'est trop bien. Comme ça, il sera forcé ouais. De nous aimer. Mais si. Si, hein. Mais non. Mais le visage séduisant. Mais c'est nul. Mais il est froid aussi. Oh, mais normalement ça devrait marcher. Hein. Attends. Ah, déjà, ils sont un peu plus potes. Attends, mais il y avait un truc là. Alors, Marwa est froide. Les Sims froids deviennent tendus à proximité des Sims enjôleurs et sont eux-mêmes rarement enjôleurs. Pour les Sims possédant ce trait de caractère, il est difficile d'aimer ou d'être aimé en public. Mais y'a personne là! Elle a dit oui? Oui. Oh! Oh non, mais je joue pas lui comme Marie. Pour elle! Mais toi, tu crois que j'en mousse, c'est mieux! Bah, je préfère, hein! Il a même pas de thune! Ouais, j'avoue, ça sert à rien. Oh! Oh, vas-y, faut qu'on le pêche! Attends, ça marche autant. Bah oui, avec le visage séduisant, normalement ça marche. Autant y aller, hein, ça marche.
En plus, tu vois, elle est dans un meilleur état émotionnel, on peut faire la formation. Voilà. Ah putain, elle est repassée triste. Oh, c'est chiant. Connasse. Oh, mais elle est chiante. Oh. Mais ça allait bien, pourquoi ça va plus? Drague désastreuse. En plus, elle est solitaire. 2 jours. Oh là là, tout ça pour Nancy. Deux jours pour la Nancy. Oh là là. On va retourner potes, hein. Écoute, demander conseil, peut-être qu'il va nous aider. Mais elle est chiante. Ça allait bien. Oh. Oh. Il s'est cassé. C'est bon. Ben, on va venir, hein. Bonjour. C'est moi. Ah, ça y est. Alors, faire quoi maintenant? Vaincre 3 vampires au combat. Bah attends, on va... Lui, on va le vaincre déjà. On va essayer en tout cas. Allez hop. Sur la gueule, sur la gueule. Mais non, oh, non. Mais la dernière fois, ça a marché. Mais on a gagné l'autre jour. Pourquoi ça marche plus? On va recommencer, hein. Marois. Oh non, il va encore là. Ah, peut-être pas. Oh non, elle va la voir. Allez, oh non. Oui, oui. Bravo. Mais c'est quoi cette facture de malade? Mais attends, t'as vu la baraque? On va jamais s'en sortir. On a 10 000 de factures tous les lundis. Bah ça m'étonne pas, hein. T'as vu la maison? Bah on va faire du jardinage, hein. On va se marier avec quelqu'un d'autre. Bah Vladistos. T'es riche, me semble. Ah oui, je pense. Bon, bah au moins on a avancé ça, vaincre 3 vampires. C'est cool, atteindre la compétence 7. Bon bah voilà, on est bien avec Maroua là. On va la laisser avec ce charmant jeune homme. Et puis on va se laisser là, j'espère que l'épisode vous aura plu. On vous envoie des cœurs et des paillettes et salut.